on est tombé amoureux. 3, 4, pour toi laisse mon cœur battre. 5, 6, sûrement plus rien ne te résiste. 7, 8, je prendrai jamais la fuite. Que de l'amour pour toi jour et nuit. Je serai là, tu pourras tout me dire. Main dans la main, collons nos lignes de vie. Oh hé, hey, oh hé, hey, oh oh, premier amour. Mes yeux brillent plus que le soleil. J'ai grandi, maintenant je connais ces sentiments qui sont toujours en sommeil. Et moi j'imagine que c'est mon premier amour. C'est de la faute de Johan, il fait n'importe quoi avec le transmutateur. Du ah ouais coup, Je nous ai transmorphé dans l'écran du studio, ouais. C'est classe. Ouais, c'est super. Ah ok. Ah, oui. Alors déjà votre nouveau single, Tomber amoureux. Non mais c'est un énorme succès, gros carton les gars. Ouais, plus de 3 millions de vues sur YouTube. Ah ouais, 3 millions de vues. Et tournage avec Swan et Neo, ça s'est bien passé ou pas? C'était super et on a pu leur faire découvrir ce que c'était un clip parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire ça. Et puis on a pu échanger un petit peu avec eux, donc c'était super cool. Pour vous découvrir un petit peu plus, on vous propose un qui est le plus. C'est parti, go. Prenez vos ardoises, les gars. Ici. On va vous poser des questions et vous nous direz qui est le plus, soit Evan, soit Marco. Ok, d'accord, c'est parti. Première question, tu vas adorer. Hein. Ouais. Qui est le plus romantique? Ah ouais, d'accord. Donc pour toi, Marco, sans hésiter, c'est Evan le plus romantique, c'est ouais, ça? Ouais, à fond. Direct. Ah, et pour toi, Evan, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Racontez-nous, vous faites comment? T'as eu bien ma question. Pour être romantique, je sais pas. Moi, je me vois pas très romantique, mais voilà, je... C'est quoi? C'est les fleurs Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, les fleurs, les petites intentions, tout ça. Ok. Alors, deuxième question. Qui est le plus drôle? Tu les as vus, les deux, ils sont malins, hein? Non, parce qu'encore, sans aucune hésitation, encore une fois, c'est l'un et l'autre, quoi. Mais ce genre de questions, ça se décide pas, on peut pas se faire rire soi-même, c'est pas possible. Ah, c'est moi qui est plus drôle, je veux dire, ouais. Je me fais rire tous les soirs. Ah oui, c'est moi, je me fais des autoblagues, c'est vraiment sympa. Je me fais des autoblagues, c'est marrant. Bon, allez, autre question. Qui est le plus coquet? Ah, oui, qui fait le plus attention à son apparence, c'est ça? Ah ouais, direct sans hésiter, Evan. Bah dis-nous, raconte. Non, mais y a pas grand-chose à raconter, c'est juste que j'aime bien... Il est propre, Evan, il est beau. Propre. Il est beau, il est net, propre. Bon, ça, c'est que ça. Voilà, c'est ça. Autre question. Qui dort le plus? Ah non, mais Evan, il a tout, hein. Coquet, dormeur, en fait, t'as tous les schtroumpfs réunis en toi. C'est ça, ah, ouais. Il prend cher. Ah, je prends tarif hein, sur ce gulet, c'est... Ça veut dire que les jours où t'es pas en cours, tu te lèves genre à midi? Oh ouais, une heure, deux heures même des fois. Ah ouais, quand même. Non, je rigole. Et toi, Marco, raconte. Si, moi, je fais des grasses maths et tout, mais ça va, je me lève facilement. Donc en fait, toi, Marco, tu te couches plus tôt? Non, pas forcément. Non, pas forcément, mais je me lève plus facilement. Ah, donc vous êtes tous les deux des couches tard. Voilà, c'est ça.
Allez, attention maintenant les garçons, qui est le plus farceur. Ouais. On va rigoler. Petit rigolo. C'est pas trop, c'est compliqué. Je dirais pas, honnêtement, c'est la même blague que moi, toi. Allez, vas-y, tu sais quoi, je suis aussi. Parce qu'on est tous les, on est tous les deux taquins, on rigole. Ouais, toi, t'es plus farceur. Mais Marco, quel genre de farce est-ce que tu fais? Des trucs bêtes, des trucs idiots. Mais ça fait toujours un peu rigoler. Oui, c'est toujours sympa. Et qui est le plus sérieux à l'école ou au travail? Oh, les gars! J'ai pas compris la question. Oui, c'est bizarre. Non, ça n'a pas changé. Donc farceur, mais sérieux. Ouais, enfin, j'essaie de rester sérieux, quoi. Donc en fait, Evan, toi, t'es pas sérieux en cours. Ouais. Mais il est très bon élève aussi, hein. Enfin, c'est pas vrai, je suis bon élève, mais genre, je suis pas genre super... Je révise pas toute ma vie, quoi, c'est ça que je veux dire. Entre nous, vous avez combien de moyenne? Oula. Moi, j'ai un petit 12,5. J'ai un petit 4, c'est pas mal. Non, je dois avoir 13. Oh, bon, ça va, t'es pas un si mauvais élève. Non, ça va. Allez, pour finir, dernière question. Qui est le plus accro aux technologies? Les smartphones, tout ça. Quoi, quelle que soit la question, c'est Evan. C'est Evan, en fait. Demande quelque chose, tout de suite, c'est Evan, quoi. Bon, alors, t'es plutôt quoi? T'es plutôt téléphone, smartphone, console de jeu? Les deux. Un peu les deux, ouais. Et du coup, toi, Marco? Non? Si, moi, je suis bien sur mon téléphone, mais ça va. Moins que moi. Evan et Marco, on rappelle que votre album est disponible dans les bacs, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Légal. Ouais, merci les gars. Des bisous et à très vite. À bientôt. Ciao. Ah, ils sont bien, hein? Ouais, ils sont bien. T'as vu l'énergie et tout? Ouais. Bam, bam. Et comment on fait pour sortir de là? Parce que c'est, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Ah, je sais. Il n'y a qu'une seule solution pour sortir d'un transmutatisme transmorphique. Il suffit, c'est très simple. Le transmutatisme transmorphisme. Non, mais ça va. Tu veux la réponse ou pas? Ah oui, je veux savoir comment on fait pour sortir de là. Alors, il suffit de regarder l'épisode qui arrive tout de suite. Ah, et ça tombe bien parce que là, c'est Danger Mouse qui arrive. Et il est beaucoup plus calé que moi en technologie. Ah, c'est pas dur. C'est pas dur. Et alors là, il va aider Panicard à combattre Megamal. Oh, le robot super puissant, là. Oh là 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 là. Et Danger Mouse, c'est... Maintenant.